Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle découverte. Aujourd'hui, on va s'intéresser au pack WTCC 2015, sorti ce week-end en parallèle de la Norsch Live qu'on découvrira un peu plus tard cette semaine. Vous pourrez prendre le volant de 4 nouveaux bolides dans Race Room. Certains vous sont déjà familiers puisqu'ils sont issus de la saison 2014 de WTCC. La seule petite nouvelle est la Lada Vesta. Vous allez découvrir les 4 voitures évoluer chacune à leur tour sur une des pistes du championnat du monde. Pas de Norsch Live dans cette vidéo, elle vous sera proposée, comme je vous l'ai dit, un petit peu plus tard. Au niveau de la physique du jeu, Race Room apporte un nouveau patch qui permet au jeu de prendre de nouveau du galon. Ces voitures, on vous le rappelle, sont à la base des tractions et le comportement a encore été bien affiné en termes de démarrage et de sous-virage et de survirage. Il vous faudra maintenant être très pointilleux avec vos trajectoires, sinon vous allez très vite partir au large et difficile de récupérer ces bestioles une fois le train arrière parti. Thank you.
Au niveau du son, c'est toujours de la qualité que nous propose l'équipe suédoise de Sector 3 avec des bruits toujours plus réalistes. Le son de ces moteurs retranscrit bien ce qu'ils sont dans la réalité. Encore un bon point pour nos amis de Race Room. Thank you.
Enfin, la modélisation 3D est à son comble. Les voitures sont plus magiques les unes que les autres. L'ensemble des livrées de la saison 2015 est également disponible. On avait plein, beaucoup de gens s'étaient plaints de ce qui s'était passé avec la saison 2014 et le nombre de manques de voitures annexes qui ont fait quelques courses. Ici, eh bien, on retrouve les Honda indépendantes qui étaient apparues par-ci par-là. Seules quelques Citroën ayant fait leur apparition un peu plus tard dans le championnat, ou quelques Chevrolet manquent. En tout cas, vous avez un peloton composé de 22 voitures comme dans la réalité et elles sont toutes bien recréées. Thank you.
Voilà, j'espère que vous avez apprécié les quelques plans de ces voitures sur les différents circuits de championnat du monde. Si vous souhaitez plus ample renseignement, il vous suffit de vous rendre dans la description de cette vidéo. Et merci les amis pour votre attention, roulez bien en piste et à la prochaine, ciao.